on est devant le commissariat du 5e là pour notre camarade Eric, qui est un militant Sudrail, cheminot, qui a été mis en garde à vue, arrêté hier alors qu'il était sur le trottoir comme moi là, en train de discuter avec des collègues de Sudrail aussi. Et puis la Bravem, ils sont arrivés par derrière, ils l'ont attrapé, ils l'ont soulevé et ils l'ont embarqué. Ça fait maintenant 24 heures qu'il est en garde à vue. Il y a une deuxième audition avec son avocate aujourd'hui qui est en train de se dérouler. Il y a apparemment un risque de reconduire la garde à vue encore 24 heures supplémentaires. Et c'est inadmissible parce qu'on voit à quel point le gouvernement il utilise vraiment l'état policier pour essayer de réprimer les militantes et les militants. C'est pas avec ces flics que Macron arrivera à mettre un terme à cette colère. Cette colère, elle existe, elle est profonde. Et avec tous ceux qui ont fait cette expérience de comment on se sent fort dans les rues, quand on envahit ces rues en étant aussi nombreux, quand on se sent en grève et qu'on sent qu'il y en a tant d'autres dans le pays qu'ils sont, la fusion de cette colère et de cette conscience-là, ça peut tout rendre possible. Et nous, on espère que tout ça... le gouvernement, il se le prendra vraiment dans la figure et qu'il sera obligé de reculer, qu'il sera obligé de retirer sa réforme. Sa réforme, personne n'en veut. Aucun travailleur n'a envie de travailler 2 ans pour leur faire plaisir, 2 ans pour accumuler davantage de profits pour les patrons, 2 ans contre nous, 2 ans contre notre santé à nous. Non. Alors, ils peuvent lâcher leurs flics, leurs chiens tant qu'ils veulent. Nous, on n'en veut pas de cette réforme-là et on continuera à manifester avec ou sans répression. Salut les camarades, donc moi c'est Clément, je suis au Texan de Châtillon. Donc on sait, ils nous répriment, ils n'arrêtent pas de nous réprimer. Et je pense que la raison pour laquelle en fait ils nous répriment, c'est parce que le gouvernement a peur. Le gouvernement a peur des effets de la grève, ils ont peur en fait de cette séquence qu'on traverse depuis le 49-3. Et je pense que voilà, ça montre des signes de faiblesse de ce gouvernement. C'est une réalité. Et ils répriment de différentes façons. Ils répriment en embarquant des camarades dans les manifestations. Et on voit, c'est des rafles en réalité. C'est des rafles. Et des fois, il n'y a même pas de raison. Il n'y a pas de motif valable. Ils embarquent les gens comme ça. Mais il y a aussi la répression au travers des réquisitions, parce que c'est extrêmement violent quand en fait la police elle vient te chercher chez toi et que on te met les menottes devant tes gosses et on te dit maintenant tu vas bosser, ta grève elle est terminée. Ça aussi, c'est de la répression. Et je pense qu'on doit tous s'exprimer contre la répression. C'est pour ça qu'on est venu en fait avec une délégation aussi du réseau pour la grève générale, parce que c'est important de combattre cette répression. Et par exemple, nous, au Texan de Châtillon, cette répression, elle s'adresse aussi à nous. Voilà, la direction nous menace de nous mettre des sanctions suite à notre grève sauvage au travers de 200 ou 300 demandes d'explications. Et ça montre en fait à quel point ils essayent de casser la grève, ils essayent de casser le mouvement, parce qu'ils voient que même en fait, après 3 mois, on reste déterminés. Et on va rester déterminés, et je pense que c'est le message que nous on doit envoyer maintenant ici et qu'on doit continuer d'envoyer là dès la semaine prochaine, dès le 13, la semaine prochaine, il faut continuer d'envoyer ce message-là. Et les secteurs en reconductible qui restent en reconductible, mais en tout cas, le fait d'aller au bout. Merci les camarades. Moi je travaille dans un atelier TGV à Villeneuve-Saint-Georges lors de la manifestation du jeudi 23 mars. Un camarade a perdu un œil à cause d'une grenade de désencerclement. Voilà, il y a un camarade qui manifestait pour défendre ses droits, pour combattre cette loi, cette réforme des retraites de Macron, là, qui veut nous emmener bosser jusqu'à 64 ans, et il a perdu son œil. Voilà comment l'État mutile nos camarades de travail. Voilà comment l'État veut faire en sorte de nous faire taire. Et là, aujourd'hui, on est là en soutien à notre camarade Eric, qui est en garde à vue, qui a été saisi par la BRAV. Pareil, l'État veut museler, c'est peine perdue pour lui. Au contraire, ça nous renforce encore plus. Ça renforce encore plus notre camp des travailleurs, cheminots ou pas cheminots, public ou privé. Voilà, nous sommes une classe ouvrière unie et indivisible. Et on doit rester unis et indivisible jusqu'au retrait. Et donc, Macron, il ne fait que renforcer notre camp, il ne fait que nous énerver. Et on doit continuer la grève de la semaine prochaine, continuer ce mouvement jusqu'au retrait. La force des travailleurs, c'est la grève. 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 Bonjour à tous.
tous, moi c'est Alexis, je suis militant au Point Levé. On est venu avec plusieurs étudiants du Point Levé de Révolution Permanente pour apporter du soutien à Eric. En effet, pour nous, c'était une question de principe en fait de venir se solidariser d'un camarade cheminot qui a été placé en garde à vue. Parce que nous aussi, en tant qu'étudiants, la répression, on la connaît énormément. Enfin, je veux dire, dès le début du mouvement, dès qu'il y a eu les premières occupations dans les universités, les premiers blocages, etc., à Condorcet par exemple, il y avait déjà une trentaine en fait, d'étudiants qui ont été placés en garde à vue, à l'EHESS également. Il y a une semaine encore, à Bordeaux, les CRS ont gazé l'entrée de l'université de Bordeaux-Montaigne qui était occupée depuis plus d'une semaine pour dégager les étudiants. Et je ne parle même pas du nombre d'étudiants qui ont été placés en garde à vue lors des manifestations, y compris dans les lycées. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Il y a des lycéens qui vont avoir des procès ce mois-ci pour avoir bloqué leur établissement en solidarité aussi avec la grève, contre la réforme des retraites, etc. Et évidemment, on voit bien que dans le monde du travail, c'est la même chose qui s'abat aujourd'hui contre ceux qui relèvent la tête, que ce soit voilà, dans les raffineries avec les réquisitions, chez les éboueurs de la même manière et chez les cheminots. Nous, on est venus plusieurs fois en fait avec notamment des étudiants de Paris 8 aux assemblées générales qu'il y a pu avoir à Paris Nord pour se solidariser avec le combat que vous menez, parce qu'on sait pertinemment aussi qu'aujourd'hui, si on veut gagner contre le gouvernement Macron, ça va être une alliance entre le mouvement étudiant, lycéen et le monde du travail. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Je veux dire, ça fait très plaisir, nous, à chaque fois que des cheminots viennent dans nos assemblées générales à l'université pour nous expliquer leur combat qu'ils sont en train de mener. Ça nous donne énormément de force et on sait pertinemment que dans l'autre sens, c'est la même chose. Nous, depuis le début de la réforme des retraites, on est allé de très nombreuses reprises soutenir en fait des actions interpro, etc., qu'ont pu faire en fait des travailleurs, que ce soit des envahissements de voies, mais y compris aller soutenir en fait les blocages sur les tirus, dans les centres d'enfouissement, etc. Donc voilà, pour nous c'est extrêmement important de venir aujourd'hui, de dire à Eric on le soutient, on exige sa relaxe complète et que quelquefois on est en garde à vue, mais qu'on ne sera jamais au garde à vous. Libérez nos camarades et libérez nos camarades. Darmanin, c'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de la Répression. Il passe son temps, notamment depuis le 49-3, à nous tabasser, à aller lever des piquets de grève, à aller tabasser nos jeunes dans les universités, dans les lycées. Tout ce qui se met en travers de ce pouvoir, il le tabasse, il le réprime. Bien évidemment, ils n'ont plus que ça. Ils ont essayé de se mettre d'accord avec la droite, ils n'ont même pas réussi. Donc voilà, face à cette lutte contre cette réforme des retraites qui, elle, est brutale, où ils veulent nous voler nos deux années de vie sûrement les meilleures, nos deux années de vie de retraite. Les deux premières années de retraite qui sont sûrement les meilleures, on a raison de lutter. Et quand je vois qu'aujourd'hui, en si peu de temps, on arrive à réunir autant de monde, c'est qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'Éric, c'est un militant qui est apprécié. Et ça, ça fait chaud au cœur de voir autant de monde. Donc, au nom de Sudrite, je voudrais tous vous remercier. Et on sera là, on ne les lâchera pas, bien évidemment, tant qu'ils ne le libéreront pas, on continuera d'être là. Mais quoi de plus juste et quoi de plus normal pour Eric et pour un militant comme il est que de se dire qu'on va continuer. Pas que pour lui, mais pour tous ceux qui ont été tabassés, pour tous ceux qui ont été éborgnés, pour tous ceux qui ont été insultés, méprisés par ce pouvoir en place, par cette police qui ne fait que répondre à des ordres d'un préfet qui est complètement déconnecté à Darmanin, qui veut qu'il nous tabasse. Donc voilà, ça ne va pas nous arrêter, on va continuer. Jeudi, a priori, c'est la prochaine date. Jeudi, vendredi et bien d'autres fois, parce que ça ne s'arrêtera sûrement pas, que les doux naïfs arrêtent de rêver, ça ne s'arrêtera certainement pas à une décision de Conseil constitutionnel qui, lui aussi, va être aux ordres. Moi, je travaille dans le privé pour une société riche à milliards, Sanofi. Et de la même façon que le gouvernement nous sanctionne, notre patron, il nous sanctionne. Il est en train d'essayer de licencier des camarades. Et la chose horrible qu'ils ont fait, c'est lutter pour leur salaire. Voilà. Et aujourd'hui, il est en train de tenter de les licencier. Et bien notre colère, que ce soit pour les retraites ou contre notre patron, elle n'est pas prête de tomber. Parce que tous ces coups, ça renforce notre colère. Si on ne gagne pas aujourd'hui, on gagnera demain. Parce qu'ensemble, ça nous permet de discuter avec nos collègues, de dire, regarde, c'est pas la police, elle n'est pas là pour nous protéger. Elle est là pour protéger les plus riches. C'est eux qui protègent, c'est pas nous. Quand on voit que dans nos usines, ils viennent protéger tout ce qui est privé, c'est pas nous qui protègent. Ils protègent les bourgeois, les plus riches, les patrons, les Bettencourt, tous ces gens qui font de l'argent. Eh bien, les camarades, on a raison de continuer et ils ne nous feront pas taire, certainement pas qu'ils nous feront taire. Notre colère, elle est là, bien là.
Et même si tous les travailleurs ne sont pas encore avec nous, demain ils le seront. Et notre colère, on leur fera bouffer. Bravo. Et la retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Le pire, c'est que vraiment, il a vraiment rien fait. Et même quand il y a des militants qui bougent, qui mènent des actions dans les manifestations, on est contre la violence policière, on est contre la répression policière, et il faut le dénoncer fermement. Et donc voilà, là c'est un acharnement, comme on le voit depuis deux semaines, trois semaines maintenant, notamment depuis le passage au 49-3, où à chaque manifestation, qu'elle soit déclarée ou sauvage, il y a des interpellations massives, il y a des rafles comme ça. L'avocat tout à l'heure, il expliquait que les cellules, elles sont pleines à craquer. Il y a énormément de monde en fait qui a été interpellé hier. Et voilà, ils prennent les gens comme ça, au pif, et ils les mettent en cellule. Les motifs, c'est systématiquement les mêmes. Voilà, c'est toujours soit de la rébellion vis-à-vis de personnes dépositaires de l'autorité publique. Et c'est toujours ça. Ils expliquent toujours que les interpellations, c'est parce qu'il y a eu de la rébellion, c'est parce qu'on s'est rebellé face à des policiers. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils mettent les gens en garde à vue. Et donc là, on est massivement rassemblés. On était rassemblés ce matin à 11h, on est revenu à 15h. Et on reviendra autant qu'il faudra pour dénoncer la répression, faire du bruit, faire des prises de parole, leur montrer notre détermination. Et on sait très bien que notre camarade Eric, ça ne va pas entacher du tout sa détermination. C'est un militant que moi je connais depuis presque 11 ans maintenant. Il n'a pas loupé une seule grève. Il a été dans tous les mouvements. Chaque grève, qu'elle soit de 24 heures ou en grève reconductible, il n'a jamais lâché une seule seconde. C'est un militant de la première heure. C'est un militant aussi, un camarade de lutte ouvrière. C'est un militant révolutionnaire. Et donc voilà, c'est primordial pour moi en tant que militant Sudrail, en tant que militant chez Révolution Permanente, d'être là, de la porter ma solidarité. Et s'il faut qu'on reste toute la journée, on restera toute la journée. S'il faut revenir, on reviendra. Et donc voilà, chaque fois qu'ils mettront les menottes à une personne d'entre nous, eh ben on en mettra 300 devant les commissariats pour leur montrer notre solidarité. Ils ont la matraque, ils ont les flics, ils ont les grenades. Et ben nous, on a la fraternité, la solidarité, le rapport de force. C'est nous qui faisons tourner la société. C'est nous qui allons faire reculer cette réforme des retraites. J'ai été interpellé à la place d'Italie à la fin de la manif. On a été quelques-uns à être interpellés à ce moment-là. Et on se voyait en garde à vue, on voyait à quel point ces interpellations et ces gardes à vue, c'était garde à vue politique. Ils montaient en épingle des faits mineurs. J'étais avec un gamin de 18 ans en garde à vue qui a jeté une boulette de papier sur les CRS. C'était là, putain, d'ailleurs, voilà, il y avait l'attitude des flics, il y avait l'isolement, ça c'était long, mais ce qui a vraiment fait du bien, c'était se retrouver à plusieurs. Voilà, on était à un moment 7-8 dans une cellule, et discuter, on a fait le monde, on a discuté politique, on a discuté des travailleurs, on a discuté de la révolution russe, de la commune de Paris. Voilà, en fait, de toute l'histoire du mouvement ouvrier, de tous les militants, de tous les travailleurs qui avant nous sont bagarrés et qui se sont retrouvés face à la police, au patron, au gouvernement, c'est une machine contre les travailleurs. Voilà. Et quand on se retrouve pris dans leur griffe, même si c'est pour 48 heures, on comprend que toute cette machine, il faudra bien évidemment toute la force des travailleurs, toute la force de ceux qui ont envie de se bagarrer pour renverser cette société, pour aller contre ça. Donc je tiens vraiment à vous remercier tous. Voilà, c'est mes premiers mots et forcément, là en sortant, c'est l'émotion qui parle. Et encore merci à tous pour votre soutien. Quand on était face à l'OPJ,
ils n'avaient pas le choix que d'ouvrir les fenêtres parce que ça faisait tellement de bruit. Donc ils disaient, bon, bah oui, il y a du soutien. Il y a eu un rassemblement, je crois, à 10h et il y avait du monde qui restait jusqu'à le soir tard. Et ça va tout jusqu'à 20h30 avec des autocollants sur les bagnoles des flics. Et puis, même, je crois que tu disais, quand vous êtes passé après, vous entendez le soutien. Et donc, c'était un soutien que je prenais bien évidemment pour moi, mais pour tous ceux qui étaient aussi en garde à vue avec moi. Merci vraiment beaucoup à tous. Merci.